Bonjour et bienvenue sur la nouvelle chaîne Geek Gaming 83. Aujourd'hui, on va faire le déballage de la manette Xbox 360 que j'ai trouvée à Carrefour. Alors, pardon. C'est une manette pas vraiment officielle. C'est une manette Mad Cat. Je l'avais déjà ouvert. Alors, attendez, je vais poser mon iPod 2 secondes pour ouvrir. C'est bon. Alors voilà. Alors, comme vous le voyez. C'est une manette, donc Mad Cat. On va la laisser de côté. Alors je l'ai trouvé avec un four à 20 €. C'est un peu dur. Bon, moi je l'ai déjà, j'avais déjà ouvert, donc là je l'ai revue. Mais bon. Excusez-moi, c'est dur. Avec un bras. Bon, je vais encore le reposer, je reviens. Et voilà. Hop. Bon, le fil pardon, est assez long. Quand même. Enfin bref. Alors moi j'avais vu, alors j'étais à Carrefour et j'avais vu plusieurs manettes Xbox 360 et elle coûtait 45 € la manette officielle. Et après j'ai vu une télécommande Mad Cat qui coûtait uniquement 20 €. Alors je me suis dit, alors habituellement vous voyez qu'il y a des boutons en général start et enfin des boutons sur les côtés. Moi je suis pas vraiment spécialisé hein, sur Xbox. Là ils y sont au-dessus. Back et start. Derrière on a les gâchettes. LP. RB. RT. Et LT. Alors, après les couleurs ne sont peut-être pas obligatoirement différentes parce que je crois que le B est en vert et le A est en rouge justement. Donc le bouton A, B, X et Y. Vous avez le stick directionnel. Vous avez les flèches. Et vous avez un stick. Le stick principal. Donc ça c'est le bouton L et le stick. Là il y a le bouton Xbox. Voilà, donc c'était le déballage de la manette Xbox 360 non officielle Mad Cat. Et je vous dis à bientôt justement pour la tester.